La nouveauté, on lance cette année en 2014, on remet au bout du jour les nouveautés aux échecs. Donc si vous pensez avoir joué une belle partie, n'hésitez pas à la mettre dans la boîte de l'USTT, dans la rue. Et un jury sélectionnera les trois meilleures parties et les récompensera. Point sur les classements après deux journées. Dans le tournoi de grand maître, le junior russe Ivan Bukavchin est seul en tête avec 4 points sur 4. Impressionnant jusque là. Il a déjà un point d'avance sur 3 joueurs. Les deux autres grands maîtres, donc Svetlanichenko et Stratescu, le numéro 4 français, qui ont réalisé 2 nuls chacun. Ainsi que le jeune allemand Alexander Donchenko, qui après sa nulle heureuse contre Nezar et avoir tenu avec les noirs contre Svetlanichenko justement, plutôt bien parti pour une éventuelle norme de grand maître, encore 3 points à réaliser sur 5 parties. Notons que le Suisse Rinslisbacher est aussi bien parti pour la norme de maître cette fois-ci, il est fixé à 4 points, il a déjà 2 sur 4. Kensling est remonté au classement avec son 1,5 sur 2 hier. Dans le tournoi de maître, Bilal Bedassen toujours bien placé après ses deux victoires aux deux premières rondes contre les deux grands maîtres du tournoi, malgré ses nuls d'hier. Il est rejoint en tête par le grand maître Ninov, qui a remporté 3 parties consécutives. Ils sont juste devant le coréen Camacho et le deuxième grand maître Geller, qui remonte après sa mauvaise première journée.